Et yo bande de rejets, c'est Darkmoon et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Shelter Tout. Hein. Je vais dire trou, mais bon bref. On va arrêter de dire de la merde. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui donc. Petit jeu indépendant slash survie slash très joli. Hein. C'est bizarre. Bref. Donc qu'est-ce que je... Enfin, oui mon. Bref, c'est pas grave. Donc, merde, j'ai pas eu le temps de lire. Bon, c'est pas bien grave. Donc, le but du jeu, en gros, hein, pour vous faire simple, c'est... Putain, j'ai le son qui est vachement fort, je vais juste le baisser parce que c'est horrible. Ouh. Un petit loup qui passe. Oui, donc c'est... En fait, on incarne, voilà, ben, un lynx, enfin, une mère lynx. On peut zoomer? Non, on peut pas zoomer. D'accord. Voilà, je suis passé en touche française. Donc oui, on incarne une mère lynx, comme vous pouvez le voir. Shift plus espace. Donc là, c'est pour faire des sauts de folie. Espace, donc sauter. Shift, courir. Donc ça va. Donc déjà, je voulais faire ce jeu déjà, parce que c'est un petit jeu indépendant... Mais j'aime bien les jeux indépendants en général, les jeux de survie aussi. Donc j'ai trouvé le jeu joli déjà, hein, comme vous pouvez le voir. Hein, il a une patte graphique propre à lui-même, j'ai envie de dire, j'ai jamais vu ça. Et donc oui, le but de du lynx, du gros chat que vous voyez à l'écran, en fait c'est de protéger ses petits. Donc là, à mon avis, elle les a pas encore dans l'aventure, mais bon, ça ne serait tardé. Donc, oups. Ah d'accord, mais elle, c'est un lynx assassin en fait, le bordel. En tout cas, oui, très joli jeu, en tout cas. Bon, j'ai d'après ce que j'ai lu, il est pas très... il est pas très long. Donc, bon. Donc, ça sera pas la folie niveau, niveau temps de jeu, mais bon. Et, ah, ok. Oh. Donc voilà, déjà on est... Ok, shift. Faut suivre les étoiles ou faut les prendre? Parce que j'ai pas bien saisi. Ouais, faut suivre les étoiles. Donc shift pour courir. Space pour sauter, enfin espace, hein, vous m'avez compris. Et donc, c'est pour l'instant très simple, un niveau touche, c'est... ZQSD, hein, avec shift. Et la barre espace pour sauter, bien entendu. Donc, ouais, pour l'instant, bon, hein. J'ai envie de dire, on suit les étoiles. Hein. Et c'est vrai qu'il en jette. Hein. J'ai jamais vu un jeu avec ce style graphique. En plus, la petite l'effet de lumière que dégage le lynx, c'est bizarre, mais bon. Pas bien grave. Par contre, si je pouvais voir les... Ok. Donc là, la marche normale, la course. Oh! Je vous laisse apprécier, hein. Déjà, j'adore le style graphique. Enfin, niveau... Un jeu épuré, je pense. Donc oui, j'ai lu 2-3 trucs à propos du jeu. Donc le but, en gros, oui, c'est juste de te défendre et que les petits arrivent à maturité, hein, j'ai envie de dire, hein, qui deviennent des adultes. Et donc, il est des vilains. Donc, oh, les petits yeux au calme. Ah oui, donc on est un lynx, mais on n'est pas au sommet de la chaîne alimentaire, c'est ce que j'ai pu lire. Donc je pense qu'il y aura des bestiaux plus gros qui feront plus mal. Je sais pas, donc les loups, à mon avis, ils sont pas bien gentils dans l'histoire. Les ours, je pense, il y aura des ours. Oh putain, ils sont trop mignons. Ils sont mignons. Oui, donc je, si ça vous plaît, hein, si ce let's play vous plaît, en tout cas j'en ai pas trop en français, donc c'est déjà une bonne nouvelle. Je pourrais vous en faire un sur le premier. Au petit.
Sur le premier, qui en fait, lui, c'était carrément. Là, on incarne un prédateur, un lynx. Et. Tu peux les renommer ou pas? Non, je peux pas me renommer moi, mais eux, je peux les renommer. Donc, on va l'appeler. Lui, je sais comment. On va les appeler comme les Roger, en tout cas. Ah oui, merde, c'est vrai, je suis en. Ah, voilà, c'est ça. Alors. Un roux. Mais on n'a pas de roux. Lui. Ça va être. Merde. Bon, attendez. Je m'amuse pour l'instant. Léo, désolé, mais tu seras roux. Merde. Hop. Et voilà, donc là. Je les ai renommés. C'est comment j'aurais voulu me renommer aussi. Mais voilà. On va l'appeler Floki. Tant qu'à faire. Floki, Floki, oui, Floki. Bref. Bon, bref. Le mec, il s'amuse à renommer les chats. Ils sont mignons, en tout cas. Je sais pas si vous regarderez la vidéo, les mecs, mais vous êtes plutôt mignons, comme ça, en train de dormir. Oh, putain. Ouais, donc, je disais, t'étais chasse. T'étais le gibier, si je puis dire. Tu te faisais courser par toutes les saloperies de la planète. Donc là, normalement... Normalement, je vais bouffer quelques... Oui, on a incarné un raton laveur dans le premier. Si, d'après ce que j'ai vu, en tout cas. Ouais, je pense que... D'accord. Il respecte pas. Bon, en tout cas, la caméra, ça me fait chier. Je peux pas la lever. Alors. D'accord. Alors, on a les settings, load... Ah! Oh, un lapin. Moi j'ai le lapin. Oh putain, enculé. Viens là. Je vais peut-être même manger. Oh. Oh. Oh, cette violence. Tenez. Comment on vous le donne? Ouais, donc à mon avis, il faut aller en prendre jusqu'à qu'il soit content. Donc... Attends. On va aller les revoir quand même. T'as vu, vous êtes des... Putain de machines, les machins, ils veulent bouffer tout le temps. Est-ce qu'il y a, dans les options, des contrôles? Input caméra, ok, c'est quoi ça? Ah, ok, ah non, en fait, non, rien du tout. Jump, action. Alors, donc j'ai la souris aussi. Oh. Oh. Oh, c'est énorme. Vous voyez, regardez, ça symbolise ma baraque. Enfin, ah, c'est pour se retrouver, c'est génial. Parce que, ouais, comme on va être largué. Bon, c'est bon, non. Ah, on peut approcher tis. Oh, bah là, c'était pas fut-fut, hein. On peut approcher discrètement donc des bestioles. Ah ok, par contre c'est inversé donc. Tiens, nam nam. On a la petite musique au calme. Bon, en tout cas, il y a moyen de chasser du lapin toute la journée. Ça peut être sympa. Oh. Cette violence. Oh. Ok. Eh ben ça passe plutôt vite au moins. Putain, le jeu qui te fait... Putain, c'est classe. Oh, c'est génial. Ah, ça c'est cool comme... Vous voyez, les saisons qui changent comme ça. D'un coup. Donc ils vont être plus grandes. Non, mes couilles. Tiens, moi je... C'était quoi ce bruit? Je pourrais savoir. Oh! Ils viennent avec WAM! Ok! On va chasser à plusieurs maintenant. Ouais, donc là, à mon avis, je vais les emmener chasser avec moi. Donc c'est là que l'aspect survie va prendre le... Le dessus, j'ai envie de dire.
enfin ouais voilà, c'est là qu'il va falloir les, enfin faut pas qu'il y en ait un qui meure. C'est pour ça que je vais garder un peu l'œil. Est-ce qu'ils me suivent quand je cours? Ouais. Ils ont l'air de me suivre. Donc le sens animal. Ou des lapins. Bah il y en a plein. C'est de la folie, des lapins. Des Roger Rabbit. Un lapin blanc. Parce qu'on a eu que des marrons. Je veux un blanc. Bla 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 bla. Oh. Oh. Putain. Je l'ai violé lui. Machin, il est passé, il aurait pas dû. On va laisser, on les c'est grail. Hein. Saving. Ok. C'est bon? Bon allez, on y retourne. Alors, j'aimerais trouver autre chose que des lapins, donc c'est pour ça que je vais explorer. Parce que là, regardez, il y a des lapins de partout, mais je m'en bêlec en fait des lapins. Attends. J'ai eu quelque chose là-bas? Ouais, qu'est-ce que... Ouais. Ouais, faut que je me balade. De toute façon, je pense que maintenant, j'ai même plus besoin de... Oh. C'est quoi? Et... Ok, d'accord, donc faut récupérer les petits signes. Vous voyez les petits trucs comme ça? C'est peut-être pour établir un nouveau campement. Ah oui, ça doit être pour ça. Donc c'est sympathique. Hein. C'est sympa. Tiens, on va aller là-bas. On va aller en forêt. Donc je sais pas... là je me balade, sérieusement... Là, c'est la balade complète. Il n'y a pas une gestion de bouffe. Gestion de rien du tout, en fait. Oh, le machin, il glisse. Les lapins là-bas. Ouais, c'est cool d'être dans la peau d'un prédateur. J'ai jamais joué à un jeu tel que celui-ci. Hein. Et, oh, des... oh putain, les lapins roses, là. Lapin. Là. Lapin, lapin. Voilà. Les lapins roses un peu macho man. J'ai envie d'en bouffer un, mais je vais aller voir le signe qui est là-bas. Enfin, petite cinématique. Non, pas du tout. Je contrôle le bordel. Écran de chargement. Je pense qu'on passe d'une zone à l'autre là. Ouais, donc c'est un. Enfin, je sais pas si on. Ouais, c'est un open world. Et par contre, j'ai mon logiciel de capture qui s'arrête pendant les temps de chargement. C'est assez troublant en fait. Donc, vous voyez le demi-cercle qui est à ma. Enfin, qui est en bas à gauche, simplement. A mon avis, c'est... Bon, c'est l'automne, d'ailleurs. À mon avis, c'est... Ma barre de sprint, ouais. Voilà. Alors, par contre, là, il y a des gens moins copains. Déjà de une. Enfin, deux. Tac, 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 tac. On va aller là-bas. Hein. On va aller vers l'arbre. L'arbre délicieux, l'arbre de l'amour. Non, mais je peux me taper un temps de chargement quand même. Ah oui, voilà, c'est passage de zone en zone. D'accord, bah je viens de comprendre ce que c'était. Et ben moi, je vais me balader. Hop, j'utilise beaucoup le sens. Est-ce qu'on peut aller dans la zone flotte? J'aime bien l'effet de vitesse, bon, qui est un peu chelou du coup, mais... Est-ce que je suis mort? Par contre, si je suis mort, là c'est très triste. Hein. Ah, faire trompette, il aime pas.
Non, il y a les petits. Bref. Bah, on va continuer. Oh, là, on va le manger. Allez. Ah. C'est vrai qu'on n'est pas du tout dirigé par le jeu. C'est-à-dire que là, sérieusement, je fais ce qui me plaît. Hein. J'ai vraiment aucune indication. C'est. Tiens. Balade-toi. C'est un jeu de balade. Donc, si vous voulez voir du gameplay de folie, c'est. Pas aujourd'hui, mais en tout cas, j'en ferai des épisodes. Hein. Ou encore un lapin. Viens là, salope. Viens là que je te crois. Déchiquetage de lapin. Ouais, tout à l'heure. Oh. Est-ce que eux aussi. Ouais. Ouais, je vais monter. Oh, j'ai vu un truc rouge là-bas. C'est pas un lapin. C'est peut-être un oiseau vu que c'est sur une branche. Bon, venez les enfants. Alors. Par contre, je peux pas. Alors. Ah oh, c'est quoi? C'est des œufs. C'est des œufs de. D'oiseaux. Ok. Me gusta. Alors, mouse left. Clic gauche. Ok, d'accord. Donc, en appuyant sur le clic gauche de la souris, quand c'est sur un arbre comme ça où il y a des petits trucs rouges, donc des ennemis ou des ou du gibier, hein, si, voilà, mon avis, eh ben, on va tourner, on va aller dans une autre zone. On va aller gentiment dans une autre zone. Bon, tu cours ou pas? On est où? Qu'est-ce qu'il se passe? Je peux plus courir, bon, c'est pas grave. J'arrive aux limites de la map, alors. Ah non, pas du tout. Chargement! Alors ce jeu est sympa déjà, bon, certes, je pense très cher pour ce que c'est, mais je vais vous dire le prix. Hein, si c'est là d'où je viens, je mange le jeu. Putain, mais il se barre sans moi les cons. Oh, c'est la nuit. Et qu'est-ce qui se passe la nuit? Phase intéressante du truc, c'est que là il commence à faire nuit et je sais vraiment pas quoi faire. C'est-à-dire que normalement la logique voudrait qu'on se crée un abri et qu'on y reste. Mais moi je m'en fous, moi je suis une putain de machine. Donc là je sais pas en fait. Là je pense que c'est ma zone du début. Là-bas c'est la zone où j'étais tout à l'heure. Et en fait, c'est les zones, hein, les différentes zones. Donc, je comprends tout à fait. Ouais, donc là, c'est chez moi. Ok, d'accord. Bah, en fait, il n'y a pas vraiment une possibilité de créer sa base, c'est juste que tu prends la tienne. Ok, d'accord. Donc, peut-être que je couperai comme un vilain au montage, hein, c'est-à-dire que si je vois que l'épisode est trop long. Oh, j'avais pas vu ça, regardez. On peut choper le bébé. Bon, ce qui paraît logique, mais... Enfin, c'est normal. Mais c'est cool. Sincèrement, c'est sympathique comme idée. Tu vois, moi, j'aurais pas pensé. Enfin, n'empêche, quand tu fais un jeu qui est basé sur ça, à mon avis, tu dois poser les questions, mais... Oh, qui découvre le jeu alors qu'il joue depuis 20 minutes, c'est sympa. Moi je dis ah non, ça par contre non. Tiens, on peut en choper un si vous voulez sur le passage. Nam nam manger. Je sais pas qui c'est que j'ai pris dans la bouche là, mais ah oui, y a pas de bestiole là par contre, hein. C'est triste. Hein. Tiens, on va le balancer parce qu'il nous casse les dents. Ouais, y a niveau bouffe. Attends.
Si on se met comme ça. Vous voyez, ouais, c'est sympa. Sérieusement, là... bon, certes... comme je l'ai dit, de toute façon, il est un peu cher pour ce que c'est, parce que finalement, c'est... vous êtes lâché dans un monde... magnifique. Faut reconnaître ce qu'il y a, après, c'est la patte... après, c'est leur style, mais moi, j'aime bien, sérieusement. C'est sympathique. Par contre, l'eau, dans ce jeu... mais non! Mousse lève. Ok. Ah, donc ça, c'est pour boire, à mon avis. Bon, bah, buvez, bande de salauds. Ok! C'est bon? Ça vient de s'ennuyer? Par contre, j'ai peur, là. Ah non, ils sont là. Ils sont là. J'ai cru j'en avais perdu un sur, sur la route. Ou là-bas. Là-bas, y a de quoi manger. On va y aller. On va passer le pont. Oh. J'avais vu un truc rouge, mais je savais pas ce que c'était. Bah, tenez, mangez. Moose right. Ok, donc nous aussi, on peut se nourrir, a priori. Ah bah, d'accord. Bah, si vous voulez faire votre vie tout seul, dites-le moi, hein. Il est où le bordel? Ah, il a des pop. Non! C'est pas ça que je voulais faire, je voulais sauter par-dessus. Non, c'est pas grave. C'est pas bien grave. Ouais, donc... je sais pas, j'ai eu le jeu l'autre fois et son style graphique m'avait... je mets... enfin... j'ai trouvé ça cool. Par contre, les gosses, là, ils vont traverser. Les gamins. Bon, on verra bien. Normalement... par contre, si je dois faire traverser un par un... non, ça va. 1, 2, 3, 4. C'est bon, on y va. À l'aventure, compagnon. Bon, désolé d'utiliser la vision d'aigle, si je puis dire. Trop de fois, parce que c'est juste que... bah, oh, l'enculé. Oh, c'est bon. Moi aussi, il faut que je raille. Bref. Alors, changement de zone. Je reste 5 minutes par zone, c'est rigolo. J'ai le timer vu que je filme avec Action. C'est rigolo parce que là, j'ai fait 5 minutes là et 5 minutes dans l'autre quand je... mais bon. A priori, c'est très la tristesse. Oh putain. On est dans la zone dangereuse, les copains. C'est-à-dire que là, on va perdre des je sais pas comment ça s'appelle, hein, les petits des lynx. En fait, je me suis jamais intéressé parce que le lynx, c'est pas trop mon kiff. Comme bestiole, mais bon. Nous m'a dégoûté. Là-bas, il y a plein de bêtes. Donc on va se faire plaisir. Oh! Alors. Jump. Ok, donc là, faut leur sauter dessus, au bordel. Par contre, faut que j'en prenne un en chasse. Genre lui, il a l'air très... non, non. Ça, c'est changement de zone. Quoique, c'est quoi la zone qu'il y a là? Ouais, il n'y a pas de zone, là. Bon, bah, on va y aller. Ah, je sais pourquoi, en fait, c'était pas... c'était pas changement de zone, c'est juste qu'elle est épuisée. Oh putain. Oh putain. J'en ai perdu un. RT. Bon ben, rip. Oh non, la tristesse, comment le bordel, il est mort. Ah non, j'ai cru qu'il était revenu. Bah non, bah, rip. Bah sur ce, je pense que je vais clôturer la vidéo pas loin de là. Ah merci, alors là, quand tu me niques, en effet, comme ça. Je vais poursuivre lui.
Je vais le bouffer et Oh, au pire, il y a des lapins. On va manger le lapin. Vous êtes où, Mandel? Non, mais il y en a plus que deux maintenant! C'est quoi cette zone de forêt? Oh, cette zone, c'est la mort. Hein. Je pense qu'il faut y aller plus tard dans le jeu, en fait. Donc au pire, je reloaderai une sauvegarde. Je reloaderai une sauvegarde où je ferai... Non, je pense qu'en fait, ça sera une seule et même vidéo. Ça sera juste une découverte. Mais dites-moi si vous voulez un let's play. Donc je vous ferai la suite carrément sans la mort des deux zigotos. Je vous ferai un petit let's play au calme air dans le camp des calmes. Et wow, on a une meute de loups qui nous a sauté dessus. Moi j'ai rien compris à ce qui m'arrivait, hein, perso. J'ai rien compris à ce qui se passait. Bon, j'aimerais quand même chasser un élan. Enfin, c'est quoi comme bête? Ouais, c'est des biches, des conneries comme ça. Ah, il y en a là-bas. Va manger, bande de suppôts de Satan. Je vais chasser cette saloperie. J'y vais doucement. Ninja. Ils m'ont rodé! Alors, là, c'est la petite course. La course qui m'est bien. Là, je m'en fous, j'en chope un. C'est-à-dire que lui, là, il est pour moi. Vous voyez son gros cul? Je le mange. Oh! Oh! Assassinat! Non, non, mange pas tout. Oh, c'est quoi ça? Oh le bordel, c'était un gros lapin. Putain, je l'ai mangé le bordel. Ouais, donc sur ce, je pense que oui, je vais m'arrêter là parce que finalement, il n'y a pas... C'est pas la folie en fait. Hein. Je sais pas comment on avance dans le jeu. Je sais pas. Sérieusement, je sais pas. C'est comment dire, c'est sympathique, mais il y a. Je trouve pas un réel but en fait au bousin. Donc si vous savez dans les commentaires où vous êtes expérimenté, ça serait sympa, tout simplement. Dans le sens où ouais, ce serait quand même sympa de me dire quoi faire, mais à mon avis, c'est un jeu peu connu, donc normalement. Alors, ça sera sans doute une découverte pour beaucoup d'entre vous. Donc, ouais, sur ce, j'espère que cette petite vidéo du fratretti vous aura fait plaisir, hein, tout simplement. Hein. C'est cadeau, c'est Bibi qui régale, comme on dit. Et ouais, en tout cas, moi, je me suis amusé. C'est un jeu que pour moi, plus intéressant graphiquement que niveau gameplay, parce que c'est pas mon style de jeu d'aller chasser du lapin toute la journée, mais c'est quand même sympa l'expérience. Si vous voulez l'acheter à 15 €, est quand même un peu cher, hein, après c'est mon avis, mais vous faites comme vous voulez. Moi je vous donne mon avis, c'est que ben c'est quoi que j'ai dans la putain. Je croyais qu'il était mort. Bref, donc ouais, c'est que il est sympa, mais il n'y a pas beaucoup de choses à faire en gros. C'est que voilà, il y a quelques touches. Pourquoi ça devient rouge? Bref, donc oui, ça, ouais, le jeu est sympa dans le sens qu'il est beau, que les saisons changent très vite. Vous voyez que là, à mon avis, c'est les saisons qui ont changé. C'est sympathique. Mais c'est très punitif aussi, vous voyez que là j'en ai plus que 2 sur 4. Donc le roux et le plus blanc, donc je crois que le plus blanc, je sais plus comment je les avais nommés, mais je regarderai. Et les survivants, bah, ce sont les vrais. Hein.
Sinon, pour les deux autres, sont morts dans d'atroces souffrances. Et donc, oui, bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller regarder toutes les autres vidéos qu'on a pu faire, soit moi, soit Matt, soit Exa aussi. Il y en a une chier, donc vous avez du pain sur la planche, hein, si vous voulez tout regarder, mais ça nous ferait plaisir, ça serait sympa. Et donc on va se quitter sur cette magnifique image, avec le fond qui est... what? Est-ce que ce bruit? On s'en balèque. Donc, sur ce, c'était Dark Moon, et à la prochaine.